Bonjour à tous, si vous regardez cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'est Telkinou, il s'agit de l'épisode numéro 2 de Discworld. Avec cette magnifique musique. C'est pas du vide, en fait, c'est un peu du EPL Adlib Omega Drive. Ouais, on se comprend. Les séries, je trouve ça sympa, en plus, mais j'adore le film perso. Putain, tu trouves la série Stargate sans plus, sympa sans plus. Moi j'adore, je suis ultra fan. James Spader, il a... il a pris cher, James Spader, ouais. Alors, c'est un petit peu ça quand même. Les gens, donc, la dernière fois, on s'est baladé dans Ankh-Morpork pour essayer de trouver un petit peu des objets, voir ce qu'il faut faire. Le but global pour l'instant du jeu est de trouver trois éléments pour pouvoir virer un dragon qui fait chier les gens. Hein. Il brûle un petit peu les gens et les maisons, c'est pas bien. On a à notre disposition un bagage qui a certains objets sur lui. On a de l'engrais. New improved wonder grow. Grows anything. New instant formula. Featherwinkle's concise compendium of dragon's lairs. Detect dragons from a comfortable distance or your money back. Un bâton, un bourdon, un bâton magique en fait, qui est un des éléments, me semble-t-il, qu'on doit trouver. Here! It's got a knob on the end. Une grenouille. Definite senior wrangler potential in this slippery little blighter. Un miroir. Rather an ornate little mirror, that. Une tomate. Yeah. I think this thing's living in it. Faut peut-être l'ouvrir ou l'exploser sur quelque chose pour récupérer ce qu'il y a dedans, du coup. This handle on this butterfly neck has a hollow end. Un filet à papillon. Des culottes bouffantes. Small bloomers. About my size, actually. Sort of soft and silky. What a strangely liberating thought. Un âne. Now there's something you don't see every day. A purple stuffed donkey kind of thing, I mean. Et une boîte de ficelle. I think this might technically be a ball of twine. All right, it's a small difference in nomenclature, but it might be important to somebody someday. Ok, je crois qu'il dit rien d'autre. D'accord. Ok. Je vais laisser quand même ça. Voilà, comme ça. Et sur nous, on a quoi sur nous? On a une bourse. The problem is not so much having the pouch as having the fillings. Et on a le coup. Putain, j'avais pas vu ça la dernière fois. On a chopé la compétence de pickpocket. Hein. Handy if I want to pick a pocket or two. Ah mais oui, c'est avec le gosse des rues là. D'accord, je pensais pas que ça allait se transformer en objet. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup No, I'm not going to look into there. There are some things best left unknown. J'ai oublié que la musique de cet endroit est une boucle un peu prise de tête. Oui, clairement, clairement. Toilet, purpose built. What's the world coming to? Mais c'est pas grave. Good grief! What in offler's name is that dreadful smell? Je n'arrête pas avec l'épisode de la boucle temporelle. Il y en a plein que j'aime beaucoup. Moi, c'est celui du trou noir qui m'a le plus marqué. Actually, I don't know if it's a good idea. I'm in a naked flame around this place. Mais bon, je vais me concentrer sur le jeu. You mean someone actually airs their laundry here? Oh, please let this not be where he normally keeps his stock. Ok. Mais c'est vrai que le fait que Richard Dean Anderson ait quitté SG1, en fait, ça a un petit peu tué la série. C'est un petit peu lui qui faisait toute la série. J'aime bien le reste, hein. Mais ça a perdu de sa grandeur, en tout cas, pour SG1. J'aime beaucoup Ben Broder qui joue le colonel, je sais plus comment, là. Qui joue dans Farscape aussi. D'ailleurs, j'adore Farscape. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous conseille. C'est un petit mélange entre le Muppet Show et Star Trek, mais donc c'est un peu bizarre. Mais une fois qu'on rentre dedans, c'est franchement bien. Il y a un truc là. Eh non, attendez. On dirait qu'il y a un truc sur le bord. Okay. C'est quoi ça? Pour passer un bon moment, mangez bien, buvez joyeusement et trouvez-vous une occupation sympa et gratifiante par une belle journée ensoleillée. C'est le genre de graffiti qu'on voit sur les toilettes, évidemment. Allez, on se barre d'ici, ça fait trop de... Let's definitely keep this in mind, ok? Let's definitely... Ok. Farscape, elle est géniale, la série. Ouais, mais c'est pas à mettre entre toutes les mains. Non, il n'y avait pas de doublage sur ce coup-là, en fait. Alors, donc on était dans l'allée, on n'a pas parlé au poissonnier. Parlons au poissonnier.
Je baisse un peu la musique. Voilà. Bonjour. Well, if times ever get hard, at least he can masquerade as one of the stock. That's a rather unusual fish. Cute if you like that sort of thing. C'est une grenouille? Ah. Je peux la prendre comme ça? Il sent bizarre hein, les gens ici. C'est pareil, le magasin de jouets, on arrive, on chourre des trucs. That doesn't work. Et ils en ont rien à faire. The smell is terrible, but the fish don't seem to mind. Il y a une anguille là. At least it sharpened my definition. Faudra me faire penser à sauvegarder aussi. La dernière fois, en 3 heures de jeu, on n'a pas sauvegardé une seule fois, ça aurait pu crash. J'aurais pleuré. En fait, la première saison est vraiment vraiment de temps à se lancer, mais plus ça va, et plus c'est gentil, c'est génial. Et les dernières saisons sont juste dingues. Ce que je trouve génial, c'est l'interprétation de folie. Je suis d'accord avec toi, Valfi. Non, franchement, si vous aimez la SF, n'hésitez pas à regarder Farscape. Et effectivement, regardez quand même 3-4 épisodes avant de... Moi, il m'a fallu ça avant de rentrer dedans. Au début, j'étais là, mais c'est un peu ridicule, en fait. Mais après, ça devient vraiment, vraiment bien. Dans la démo, moi, je connaissais que ce poissonnier et les WC, et rien que ça, je trouvais ça cool. Mais c'est clair. Mais je me demande si j'avais pas joué à la démo aussi sur Amiga, chez quelqu'un. Ok, donc on a l'anguille. Mais j'essaie... Je vais regarder juste. Okay. Qu'on regarde ou qu'on essaie de la prendre, ça fait la même chose en fait. Ok, on va parler au poissonnier là. Save. Bah, is this fish fresh? Fresh, fresh. One of them just made a pass at my wife, sir. Good heavens, did it really? I don't mind, sir. I think fish are quite attractive, don't you? I love my wife, but oh, you octopus. What? Bon AFK, Alfie. You're a silly man, and I don't think I shall speak with you. What's that under your arm? What's what? That fish, that enormous swordfish. It's a swordfish, sir. I can see that. Nothing wrong with your eyesight, is there, sir? Wizards are fine people, no matter what everyone else says. Don't be impertinent, you're skating on thin ice. Skates are over there, sir. All in a row. In a row? No, all in a row, as in fish eggs. It's delicious, you should try some caviar. Putain, les blagues à traduire sont pas faciles et je pense qu'ils ont fait du bon taf quand même. Don't get horribly burned to death by any monsters or anything. Ok. Donc on a récupéré un truc du poissonnier, c'est... A fine little octopus there. Ah, a nice sturdy picture frame. Ok. Est-ce qu'on aurait un moyen de récupérer l'anguille? Peut-être qu'il faudrait des gants. Ou ça peut servir de gants peut-être? That doesn't... Non. Parce que du coup, je découvre le système d'entraînement et du bagage. D'ailleurs, ça me fait penser que, si mes souvenirs sont exacts, des fois, il faut avoir certains objets dans l'inventaire de Rincevent et certains objets dans l'inventaire du bagage. Genre, par exemple, de la bouffe. Il va le bouffer, en fait. Donc, il faut bien faire attention. Là, il a pas bouffé la pomme, la tomate, mais il peut bouffer autre chose, j'imagine. Et des fois, il faut qu'il y ait des objets dans l'inventaire de Rincevent directement, en fait. Ça c'est un truc dont je me rappelle qui m'avait fait chier quand j'étais gosse. Ah là on va dans l'allée et là on retourne sur... Ok d'accord, on va aller par là. J'ai aperçu du gameplay des décors, j'étais petit et je connaissais que Goblin. C'est déjà pas mal. Ok. Qu'avons-nous après? Ah. Il y a un mendiant. Yes, and ooh, look, he's displaying a sort of machine, a sort of with clamps and drill bits. Oh dear. Qu'est-ce que c'est? C'est un, ça doit être un barbier en fait. Nice job that, sitting down all day. On va lui causer. Alms, sir, alms for the poor. But I'm already poor. Well. You've got a pointy hat. That's not wealth, that's status. Oh, well, spare some status for the poor, Governor. I think you've got that wrong. How do you mean wrong?
It's a simple request transaction. I underline a need and hope that you, in your wisdom, will provide. It's not a question of that, it's a question of practicality. Yeah. Status, by its very nature, is ineffable. As a quality, it is essentially non-transferable. So are you going to give me status or aren't you? I can't just give you status, you have to earn it. For instance? Atteins les plus hautes sphères de ta profession, deviens le plus célèbre mendiant de la ville. Reach the top of your profession. Become the most famous beggar in the city. Get some real diseases. Well, I'll try. Business is just down a bit. What can I do about it? You need a more dominating image. Something to demand sympathy. Otherwise, heartless people like me are just going to keep on passing you by. It's a thought, you know. Yes. Many thanks. Ok. J'adore l'humour, sérieusement. Tiuma, Tiuma, tu es là? Tu m'as pas répondu. Sinon, je te parlerai en whisper. J'avais une démo genre d'homme du Simon le sorcier. Ouais, ce que tu nous as dit la dernière fois. Cool, un autre jeu avec un sorcier, mais je pouvais même pas laisser. Bah non. C'est une démo non jouable. Moi, j'avais une démo jouable de Simon 2. Ok. Arms? No, thanks. I'm trying to give them up. Ok. Why should I give you money? Well, it's your traditional medieval street transaction, isn't it, Gov? It's an expected part of your fantasy environment. You're saying that you're just here to add a little bit of colour? Authenticity, Gov. Authenticity. Well, wouldn't it be better if you actually looked the part? I mean, just look at you. Why? What do you mean? What's wrong with it? Well, it's pathetic. I mean, a beggar, by definition, has to be pitiable, doesn't he? I mean, why should someone give him money if he's as hale and hearty as any other geezer on the street? Oh yeah. I think I see what you mean, sir. Right, well, carry on. Ah bah merde, j'étais encore en train de diffuser depuis le host. Lol, c'est des choses qui arrivent, Valfi. T'as oublié de couper le stream. De toute façon, personne ne pourrait voir ton stream si tu hostes quelqu'un, si le host est passé. Au final, t'envoies pour rien, quoi. Bref, un jeu de jeu avec un sorcier rigolo drôle. Oui, mais celui-là, il est particulier quand même. What? Me pay you? Oh, go on. Why? Why what? Why should I give you money when you're no worse off than anybody else? Well, business is bad, but what can I do about it? Have you thought about improving your image? Improve my image? How? Well, make yourself more presentable. Show some self-respect. What, spend money on clothes and stuff? Yeah, that's it. All right. Give us 30 shillings until payday, then. But you're a beggar. You don't get paid. My point, exactly. Normalement, mais ça te baisse les stats. Ça te baisse les stats, par contre. Bref, c'est pas bien de parler de ça ici. Mais c'est pas grave, on peut parler de ça ici, t'inquiète pas. D'ailleurs, il n'y a qu'un modérateur là qui a pas fait son boulot. Bravo Jim, là, je ne te félicite pas. On a oublié de faire un petit shout-out pour Valfi. Si jamais vous suivez pas Valfi, go 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 go, allez lui lâcher un follow. Et puis voilà. On a oublié Marc. Je sais pas si on avait fait Marc tout à l'heure. Tant pis. Right, you're on then. Ok. Donc je sais pas, est-ce qu'on a un truc à lui filer? On pourrait lui filer de l'engrais. non, très sérieusement, on pourrait peut-être lui filer. Est-ce que. Tiens. That doesn't. Alms, sir. Alms for the poor. Non, franchement, j'ai pas l'air. Non, c'est Kalemodo. Oui, ça va, Elkino, t'es toujours au stage. Je vois que tu stream en soirée après, mais en ce moment, je suis juste retourné sur une période série, etc. J'ai regardé Umbrella Academy, c'était cool. Ah ouais, Umbrella Academy, franchement bien. Si jamais vous regardez pas, d'ailleurs, je vous le conseille. Ils ont prévu une saison 2, d'ailleurs, pour l'année prochaine, je crois. Donc c'est cool. Je suis toujours au stage. Ah bah ouais, bah oui, je vais pas partir si rapidement. Enfin, comme ça, facile. Je pense que tu l'aurais appris si je retournais. Si je partais. C'est parce qu'en fait j'étais en congé mercredi, jeudi, vendredi en fait. Donc j'en ai profité pour faire des petites ninjas. Et bah y a pas de soucis. Y a pas de soucis, Tiuma. Content de si tu vas bien, tout va bien. Dans l'académie, j'ai pas mal discuté avec celui qui fait la voix française de Klaus. Ah cool. Après moi
Depuis que je suis en Irlande et aux États-Unis, je ne peux plus regarder de doublage français. Même si on est vachement bien loti en France pour les doublages français, contrairement aux Russes par exemple, quoique ça a peut-être changé depuis, je peux plus. Je peux vraiment pas. Voilà. Après, c'est parce que je comprends l'anglais facilement, donc c'est tout. Mais bon. Ok. Right, you are, then. On va remettre ça, non pas là. Là. Voilà. Est-ce qu'on peut le pickpocketer? Prends ça, toi. C'est vrai que ça lag, c'est bizarre. Holmes. Non, on peut pas. Right, you are, then. Hop. Oh, qu'est-ce qui se passe si je mets ça dans le. Dans le bagage. Damn! They won't let me do it! Ok, on peut pas le. D'accord. C'est débile. Ok, on va rentrer là. Klaus, c'est qui? C'est le. Klaus, c'est le fou? Enfin, c'est le fou, c'est le. C'est le mec qui voit les morts. Et qui jouait dans Misfits. Ça, voilà, cet acteur-là, c'est ce qui m'a fait aimer la saison 1 de Misfits. Pour ceux qui connaissent pas, allez voir Misfits, pareil, c'est super bien. C'est britannique, donc c'est un peu c'est particulier. Mais cet acteur-là, quand il est parti de la série, la série, je l'ai lâché parce que... Voilà. C'est lui qui a fait la série. Bah ouais, voilà, hein. C'est clair. Hein. Et donc dans Umbrella Academy, il est trop bien. Ah, c'est Donald qu'on a vu chez toi l'autre jour, Valfi. D'accord, ok. Ok. Cool, cool, cool. Alors, on est dans un. C'est bien ce que je pensais, c'est un barbier en fait, enfin, un coiffeur quoi. Diploma from the Academy of Barbering, Bloodletting, Leechery, Tooth Pulling and Associated Self-Mutilations Academy. Our first customer. I wonder if he was the last. That doesn't work. That doesn't... Okay. Un canapé. Yes. Still fails to create that relaxing atmosphere, though. Mais, ouais, comment, Jim Lao, il a... Comment, Valfi a invité Donald Renew chez lui l'autre jour sur son stream. Pour faire une petite interview, c'était cool. Ok, là y a rien. Coiffeur, femme, appareil. Extractors, drills, needles. Look, let's not go into this too deeply, okay? C'est pas un coiffeur en fait. On dirait plus un dentiste. I think the medical and hair care professions still have a long way to go. I wonder why she smells of brimstone. On va lui parler à l'aide. Ah, yes, all right. Hello. Young man, you will have the honor of first witnessing my new ensemble. I shall now set a trend that will rock the fashion world. Curly hair, suit yourself. What? Suit yourself, I mean, it might not be your style. And what would you know about it? I never take fashion advice from a man wearing a dress. Okay. Hello there. Hmm? Oh, hello. I suppose it's quite a sensuous sort of job then, playing with women's hair all day. Oh, not really. Not with the type of women we get in here. No silken locks, no golden magic drifting beneath my scissors. Nothing like my wondrous little milkmaid. Okay. On peut regarder ça, non? Ah, yes, all right. Silence. Hello. Young man. Curly hair. What? Suit yourself. And what? I never... Attends, du coup, on peut le distraire. Peut-être qu'on peut chourer des trucs pendant qu'il est distrait, en fait. Hello there. Hmm? I suppose it's... Oh, no, it's nothing like me. Parce qu'on récupère la main. Get away from that. Extractors. Mais est-ce qu'il y aurait autre chose à prendre? Le diplôme? I think the med... Hello there. Not me. That doesn't. Hello there. I suppose. Not me. No.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah putain. Je sais pas si on verrait autre chose en fait. Bigoudi. Hi there. Oh, no, no, it's nothing like me. Leave that hair roller alone. Well, at least I suppose it's a hair roller. Ha. Leave that hair roller alone. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Visiblement récupérer ce truc-là. Là, on se fait l'intégrale des dragons, film et série depuis hier, et Umbrella la semaine dernière, on en bouffe du Donald, lol. La voix de Sora quand Kingdom Hearts a le droit à une VF. Ah, il a fait ça aussi, il a fait Dragon, Titoff, Evangelion. On a une journée entière pour parler de son pédigré, lol. Il est particulièrement actif en ce moment. Et puis Spider-Man, c'était ça que t'avais fait. Ok. Bon, visiblement, il faut le bigoudi, mais le distraire en pensant à penser à sa dulcinée suffit pas. Oh, est-ce que sa dulcinée, ça serait pas la grenouille? On va pas utiliser le miroir. Hello there. Non, mais. That doesn't. Ok. Merde. Chier. Est-ce qu'on peut utiliser le miroir sur la nanette? Que fasse. Eh, regarde. That doesn't. Oh, ok. Bof. C'est fou, je me souviens vaguement de tout, mais à la fois je me rappelle de rien, pourtant je l'ai fini deux fois. Discworld? Ouais. Moi je l'ai fini. Je m'en rappelle plus si je l'ai fini. C'est ça le pire en fait. J'imagine que je l'ai fini. Les choses me reviennent, mais That doesn't. Ok, on s'arrache. On sait qu'il y a un bigoudi à récupérer là. La porte, merci. Spider-Man, oui, c'était une relation pour lui puisque c'est ça qui lui a donné envie de se lancer dans le stream. Même pas un an après la GTV, l'embauche et continue de faire de nombreuses apparitions dans des vidéos gaming. Ok. C'est Discworld noir que t'as jamais terminé. Moi, je l'ai jamais commencé, mais je le ferai peut-être un jour. Ok, on se barre. Alors, place, on l'avait fait. Palais, on l'a fait. Rue. Porte de la ville. Porte de la ville. On va aller voir les portes de la ville. Ah oui, c'est vrai qu'il fait... C'est débile ce qu'il fait. Il n'arrive pas à s'orienter, ce con. We used to have one of these things at home, but the wheels fell off. La musique est toujours audible, les gens? Parce que je l'ai vachement baissé quand même. Oh dear! You know, that's possibly the closest I've ever seen anything come to being a human without actually being one. Lol. Est-ce qu'il a... J'ai écrit voir autre chose, garde. Non, c'est tout. Ah! You'll be the mandatory pink idiot youth with sword, then. Obviously, the commander of the guards. Always good to know the guards are being kept nice and safe. That doesn't. Here, you can't go through the gates without a gate pass. I can arrest him now, Nobby. That's illegal, that is. Leave him without a pass. I haven't left yet. What? I said I haven't left yet. Yeah? And? If it's only illegal if I leave, then it can't be illegal for me to not leave. Ah, right you are then. Well, just watch it, that's all. Just you watch it. Okay. Evening all. Now, Nobby, do I book him now? What for? Loitering with intent. Paragraph 7, subsection 3. Lurking, loitering, and vending without due course. Oh, Cart, give it a rest. Take a walk. Who are you people, anyway? We're the city guard, mister. What, all two of you? Three of us. There's me and the sergeant, who's a bit under the weather, as account of making an arrest of a large quantity of lager. Then there's the kid, Carrot. The boy's going to be a full member soon. Marvellous. We're on patrol. There's been a few thefts around here lately. Strange things going missing.
Little knick-knacks all over town. Almost as if someone's been swallowing them. You don't know anything about it, do you? What? Oh, goodness me, I never heard of any such thing in all my life. Well, we thought we might patrol our way over to the Broken Drum. Then we might patrol our way over to the inn. Then there's a few wine cellars whose doors definitely need checking. I see. So, what are you up to then? Relumi. Non, c'est pas écossais, c'est un accent irlandais, ça. La façon dont ils font les T, c'est un accent dublinois, en fait. Voilà, les écossais roulent les R. En fait, c'est Zoro de One Piece pour aller de Paris à Versailles, passe par Sydney. Je connais pas One Piece, enfin, j'ai jamais regardé. Tiens, Discworld était sur PS2, non? Était-il en français? Car à l'époque, je débutais en anglais et je devais rien capter. Il était sur PlayStation, Discworld, mais... Mais est-ce que c'était PlayStation 1 ou 2? Je ne sais pas. Probable, Avia. J'ai entendu ta question, pour la musique, c'est audible. Ok, merci beaucoup, Jim Lao. Oh, nothing. See, Nobby? Loitering! That's loitering! Of course it isn't. Just because I'm not doing anything important doesn't mean I'm loitering. Well, it's as close as maybe. Well, the law has to be specific. What actually is loitering? Oh, well, once upon a time, there was all sorts of laws, of course. Yes. Such as... Oh! Intent to go into a pub and have a drink. Intent to strip stark naked and wave at passers-by. Intent to go into a pub and have really big drinks. Intent to pass by the guard without giving them a smoke. You haven't got a spare on you by any chance. No, sorry, I don't. No loss, no loss. Well, look, I wasn't planning on doing any of those things. Well, how are we to know that? But I was just standing there. What's the difference between loitering and minding your own business? Ah, well. Your inveterate loiterer sort of sidles his way along the pavement, kind of moving without even twitching a muscle. Yes, I know. yeah, gotta watch for them invertebrates. Some criminals just have no backbone. Had to struggle a bit for that one, didn't you? c'était sur PS1, d'accord, ok. Les Irlandais roulent parfois les R aussi, et puis parfois ils mélangent le gaélique. C'est vrai qu'ils mélangent... Enfin, ils... J'ai quand même passé 9 ans en Irlande. C'est ça, 9 ans? Je sais même plus. Oui, 9 ans en Irlande. Entre Dublin et Galway. Et j'ai pas souvenir de vraiment... Ça m'a pas marqué qu'ils roulaient les R, en fait. En tout cas, pas autant que les Écossais. J'ai bossé avec des Écossais et je peux dire que là... C'est chaud. De toute façon, les point and click sont... avant tout penser pour être joué sur PC. C'est pas faux. Ce n'est point faux. What does a city guard do? Not a lot. Not much call for us nowadays. Thievery is permitted as long as it meets guild quotas. So how big is the city guard? Well, it must be... Yeah, easily. Ooh, fully... What? Well, there's 3 of us. But you said the kid is new. He just wandered in out of the wilds one day. Almost heroic like it was. He's the first volunteer we've had in decades. He's having a little bit of trouble fitting in, though. He's a bit literal-minded, you see, on account of the fact that he's a dwarf. A dwarf? He's 7 foot tall if he's an inch. He's the tallest dwarf in the world. I lied about my height, see? You're a very good liar. He's a good loomer, too. He can really loom, Carrot can. Never known anyone for looming like Carrot. A tall dwarf? It's all right. He's growing out of it. 9 ans là-bas, ce qu'on ferait pas pour boire du bon Bailey, c'est clair, de la bonne Guinness aussi. Ah, le Bailey encore, il va avoir le même goût en France ou ailleurs, mais la Guinness par contre, la Guinness brassée directement, la Guinness par contre, je veux pas faire mon snob, mais le goût de la Guinness en Irlande a rien à voir avec le goût de la Guinness quand qu'on chope en France, même à la pression. Hein. Et 9 ans, je suis arrivé en 2007. Je suis reparti en 2016. Ouais, c'est ça, 9 ans. Par contre, Monkey Island 4, je voulais voir à quoi ressemble le partage PS1. Par contre, Monkey Island 4 sur PS2, c'est plus logique vu que c'est pas la souris. C'est le moteur de Grim Fandango. Ouais, faudrait quand j'efface le Monkey Island aussi. Look, I'm not gonna stay here. I've had a very trying day. Exciting! Full of action? What? Yes, I suppose so. Well, that's disturbing the peace then. Okay, these are your rights. You have the right to remain silent. You have the right not to remain silent, but to say, ah, ah, ah,
Please do not do that again. You have the right to say, yes, all right, it was me what done it. Ah, ah, no, not the fingers. Ah! Carrot? No. What? No, Carrot. We are not going to arrest him. But Nobby, he just admitted. But we're turning a blind ear. C'est aussi l'intonation qu'il a, en fait, le mec qui a... Les Irlandais, ils ont un... J'arrive pas à... Et ils ont une façon de dire les phrases qui sont... qui est typique. J'avais pris Discord sur le conseil d'un collègue anglais qui m'a raconté que Terry Pratchett était très connu. En plus, je suis fan des Monty Python. Ouais. J'ai regardé ton replay sur Mortal Kombat 10, d'ailleurs. Du coup, j'ai réinstallé MK9 histoire de m'entraîner pour MK11 sur Switch. Ah, cool. Eh bah cool, si ça t'a plu et que ça te donne envie d'y jouer, tant mieux. La suite c'est demain d'ailleurs. On a fait celui-là. Look, I'm not gonna stay here. I've had a very trying day. Exciting? What? Yeah. No, Cap. What? Well, I'll just move along then, shall I? Fine. Ok. Et là on peut rien faire dessus. That doesn't. Obviously the command. Ok. Bon, on se casse alors. Il faut essayer de se... Je me concentre un peu plus. Demain, tu bosses. Ah merde. Eh bah tant pis. Tu regarderas l'Ardif. Ombre. Parc. On va aller. On n'a rien d'autre. Rue. Place. On connaît. Ombre. Oui, je fais pas trop de détours. I need a very good reason before I go into the shades. The shades is an area where curiosity not only kills the cat, but ties lead weights to its feet and throws it in the river. What? Ok. Merci pour l'explication. Ah, il veut pas y aller, d'accord. Ok, il faut une bonne raison. Ah, tant pis, on va aller au parc alors. Ça fait un peu penser à Day of the Tentacle. Ah bah, c'est un point and click des années 90. Donc, c'est tout à fait logique, Tuma, que ça te fasse penser à ça. Mais l'humour est différent, mais oui, il y a pas mal de ça. Care to step and shut the... Ok. Keep off the grass. Actually, since they irrigate this stuff with river water, I'm surprised they even need the sign. The stench should be enough to simply move you right along. On peut pas le prendre. Ok. Tac. Ah, Lampus Illuminaticus. No fooling this wizard. I've taken an advanced course in lamp recognition, I have. Non, j'étais pas attentif. C'est quoi l'explication du tableau? C'est le quartier des ombres qui a tué le chat. Un chat avec des, à quel on est attaché des briques aux pieds et jeté à l'eau. En gros, c'est le quartier de la mafia, quoi. C'est ça que ça voulait dire. Ça te faisait penser à Call of Duty, ça serait plus inquiétant, ouais, carrément. J'ai capté hier que j'avais l'intégrale des jeux Pendulo sur Steam. Je me les refaire dès que j'ai du temps. Runaway, entre autres. Putain, j'ai ni de faire Runaway aussi, putain. Comfy looking bench, that. On peut pas y aller. Y'a rien sur le banc. Y'a rien là. Y'a rien dans le parc, en fait. Peut-être qu'il y a une suite au parc? Non, même pas. Ok. Et l'auberge. Je crois que c'est le dernier lieu qu'on n'a pas visité. Not only doors, but windows too. Wonders will never cease. Ça fait penser qu'il faut vraiment que je trouve du temps pour faire des poignards. Ouais, les poignards. Mais j'avais fait le 1 en live, mais ça avait pas plu en fait. Poétique, isn't it? Ça avait pas plu, et vu que j'ai une tripotée de point and click à faire, eh ben on va pas se faire chier et on va pas faire des jeux qui plaisent pas, mais plutôt des jeux qui plaisent. Moi ça me plaise, Eponia, mais d'autres point and click qui me plaisent énormément, donc voilà. Autant que ça plaise à tout le monde, enfin au plus nombreux. Plutôt. This room sounds as if it's occupied. No, seems to be locked. Well, either that or it's just pretty wallpaper. C'est fermé ou alors c'est du papier peint, hein? Poetic, isn't it? Nope, I can't shift it. I can't shift it. I can't shift it. C'est tout?
Y a rien par là. Ok, on a juste une porte fermée. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour ouvrir la porte? Ce jeu est débile aussi, hein, niveau puzzle d'inventaire. No, seems to be locked. Je vois pas ce qu'on pourrait utiliser pour l'ouvrir en fait. Les objets qu'on a semblent un petit peu inutiles. Bon. Ouais, c'est un de mes top 5 point and click avec Siberia, ok. Mais on va faire. Il faut que je fasse Black Mirror 2 assez rapidement. Je sais que tu l'attends aussi avec impatience, dame. J'ai envie de faire les Broken Sword. En tout cas, le 1 d'abord pour commencer. Il y a Gabriel Knight que j'ai prévu non pas longtemps. Koima m'a offert le dernier jeu des créateurs de Cathy Rain. Que je vais faire incessamment sous peu, peut-être. Donc, le problème de point de déclic, c'est pas. Au niveau rejouabilité, c'est pas souvent ouf, mais c'est pas fait pour. C'est juste pas fait pour. Oh mon dieu, le dragon! Ok. Je viens de cramer une autre baraque. Deux baraques. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a un... J'ai pas l'impression, on a tout fait en fait. On a tout fait. Bon, on va revenir. C'est la place. On va refaire les lieux un par un. Forcément oublier les trucs. J'aime bien les point and click que je connais pas du tout aussi. Toujours de bonnes découvertes, c'est clair. Runaway, le premier super cool. Après les autres, moins rigolo. Ok. Broken Sword dans mon top aussi. Okay. Bah, moi, je mets les LucasArts tout en haut en fait. Et après. Wanted for arson. Sierra. Suspect approximately 3 tons, 200 feet long, scaly. On avait lu c'est la. Counterwise wine tasting at Bear Huggers Wineries. Please bring bucket to winery the day before you arrive. Renouer le premier. Au moins Broken Sword 1, 2 et 5. Le 3 peut-être et le 4 si motivé. Mais si je l'ai fait, je l'ai fait tous. Mais lost. Du temps quoi. Small dog. Answers to the name of Gaspode. Talks too much. If found, keep. Ouais. Alors est-ce qu'ils ont d'autres choses à dire? Is he one? One what? One of what? Crop well. On va déjà parler. Look, Yes. Oh, so, should, you see? Oh, I can see. We need this might not be back. Oh, you? That? You. I mean, you. Oh, and if you think you're a hero, look, Yeah. And if you know. Bye. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de puzzle lié aux discussions, en fait. C'est quoi, là? The art of signposting is apparently long, long dead. Ah oui, oh là là. Shut up, sit if you're... Putain. Mais si, je pense qu'on n'avait pas grand-chose à faire de plus. Yup, got it. Shut up, sit if you're ma... Putain. Morteviel, Maupiti, Runaway, Siberia, Broken Sword, meilleur souvenir. Ah, Morteviel et Maupiti, j'aimerais bien les refaire aussi. On avait appris une tomate. Oh. Il faut pas... Yes. Carcan. Non, c'est le car... Ok. It's a frame-up. Pardon? They can't do this to me. I'm the tax collector. This... Maybe. Too bad still. I suppose... Every... Help! What? You're the cat, what are you doing? Begging with... I asked Nick, see, this is... Let me... They can't... Watch it. Must be what they call... Very... Other... Forget what? Face... They must... Okay. Je peux pas... C'est juste l'œuf pour le fun ou j'ai un souvenir de cette tomate là? Ah! Worms. Ok.
Viens là, le bagage. Que je vois quelque chose. Oh mon dieu! Un raid! C'est un raid de Nico! Vite! Défendez-vous! Merci Nico pour le raid, bienvenue! Je comprends pas, on a récupéré un truc ou pas là au final? Non? Le verre est par terre. Ah putain, oui, t'as raison, putain! Actually, it's more like a grub than a worm. Putain, je le voyais pas. Cool. Et on dirait vraiment Worms. On dirait Earthworm Jim en fait. Vu qu'il fait la tronche. Salut Nico! Comment vas-tu? Merci beaucoup pour le raid, bienvenue à toi. Les gens, si vous ne connaissez pas Nico, c'est marrant, pas Nico, ça fait panique. Oh là là! Si vous ne connaissez pas Nico, ne paniquez pas. Nico est un streamer qui rocks et il faut aller le voir et il faut aller lui lâcher un follow. Voilà. Surtout si vous aimez Elite Dangerous, c'est un puits de connaissances concernant tout ce qui est Elite Dangerous. Donc allez le voir. Tu peux le faire pour Marc alors du coup. Merci beaucoup Marc pour le host. Merci. Ok, alors, pour ceux qui viennent d'arriver, on est sur Discworld, un jeu de 1995, je crois, qui est basé sur l'œuvre de Terry Pratchett, et voilà, c'est un jeu d'aventure point and click, donc rien de fantasque. C'est une maison bleue, accrochée à la colline, non, c'est pas ça, non, ça marche pas, ça, comme ça. Ok, donc on a un verre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un verre? Le mettre dans une pomme? Faire peur à quelqu'un? Là, on peut aller, là? Qu'est-ce qu'elle veut, au fait, la guerrière Amazon? Je me rappelle plus. Greetings, oh pointy-hatted elf. Aye? It is I, Red Sorcum, chosen avatar of the goddess Mothra. I've come to Ankh-Morpork seeking adventure. I've sworn myself to the quest, and may give myself in marriage only to the man who can equal me in combat. You what? Are you in much demand? Well, yes, apparently. Under the terms of the Geese, I'm supposed to suffer no insult from any man, which unfortunately includes wolf whistles, lingering looks, and even passing thoughts of attraction, which would be all right, but they insist that I wear this get-up. Standard heroine issue. By the way, geese is an archaic word, meaning something like obligations. I really don't want to hear any more jokes about birds. Inconvenient. It's ever so cold. So, do many people actually just want to try and marry you? Oh yes, happens all the time. Well, I suppose I encourage it, really. I mean, it's been 10 years, and a girl has to settle down someday. They've been lining up in the taverns ever since I got here. I've been killing people non-stop since 10:30. Ah, so, just tell me a bit with this one. In order to get engaged to you, they have to match swords with me, yes. To the death? Yes. Sounds dangerous. Actually, it's more boring than dangerous. Well, at least from my point of view. Other girls get to debauch with barbarians, and all I get is two-way conversations with the gods. Really? Well, it's not as if Mothra, goddess of Stepland, storms and destroyer of cardboard cities, really has anything much to say. I mean, there's the occasional quest aspect of things, but more often than not, it just means chopping up some mothballs or getting her a nice rug for tea. I suppose there is a lot of posing, and the chainmail bikinis are nice, but it doesn't fill up a Saturday night, if you know what I mean. You, do know what I mean, don't you? Sure! I know what you mean! Mothra even gave me this magic sword, said it was to keep me safe. Bitch, every time I meet some halfway likable man, I have to kill him. Well, can't you stop it? Well, no, it's a magical curse, you see. For instance, if I even suspected that you found me attractive, I'd be forced to do something really totally unpleasant. Probably involving spleens. Spleens? It's an organ. Not sure what it does, apart from ooze green. Yeah, I quite understand. Good thing I don't fancy you then, eh? Oh, I'm ever so pleased. Of course, I feel a lot more comfortable with you in a dress. C'est coucou Zilto et coucou Almut. C'est référence à Red Sonja. Ah, c'est un film, ça. C'est un film des années 80, non? C'est ça? J'y pensais pas. Moi, ça me faisait penser à Xena. Ça me faisait penser à tout ce qui est
Conan les Barbarettes. Mais effectivement, je pensais pas à Red Sonia. J'ai jamais vu. Comment allez-vous, les gens? Comment c'était chez Nico? C'était bien? C'était bien? Dites. Red Sonia, c'est un film tiré de l'univers de Conan. Et voilà, c'est ce que je pensais aussi. Et coucou Zilto, comment ça va, toi? Ok. Bon alors, c'est de capter ce qu'il faut faire, je sais pas. De toute façon, on a déjà épuisé tous les dialogues avec elle aussi. Et encore une fois, j'ai pas l'impression que les dialogues déclenchent des choses. Là, je pense qu'il faut vraiment trouver ce qu'il faut, enfin, ce qu'il faudrait utiliser. Je sais pas si la souris, il faut faire un truc. Je pense qu'il faut faire un truc avec la souris. Elle est où la souris? Elle est partie par là. Attendez. Le coffre, il fait chier les fois qu'il se met devant des trucs. On voit pas le trou de souris. La souris rentre par là. C'est vrai que là, il y a une machine bizarre et on n'avait pas fait grand chose avec. Il y avait un gars tout à l'heure. Enfin, la dernière fois, je veux dire. A nice strong rubber belt, hein? Ah, il est là. Ok. That doesn't... D'autres Calidor de Chartsy, mais ils ont pas eu les droits d'intégrer Conan. Étrangement, du coup, c'est Calidor à la place. Ah, d'accord. Le saut. That doesn't... Pas lui piquer le saut. That doesn't work. Ick! 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 Ok. Dashing Dan, the affluent king. I thought all kings were affluent. Danny King. Don't get hot. Le problème de ce jeu-là, au niveau des dialogues, même si les dialogues sont géniaux, c'est que si tu veux te les refaire, il y a énormément de textes. Et du coup, passe trois plombes, quoi. Mais c'est pour ça que je pense pas qu'il y ait des dialogues qui déclenchent la suite du jeu, en fait. Donc, ok, on a trouvé un verre. Où est-ce que ça pourrait aller, un verre? Est-ce qu'il y a des choses ici qui pourraient... Un verre. Et aussi, les puzzles sont pas forcément les plus logiques. Ils sortent de là, en fait, là. Non, encore. On peut reprendre une tomate? Merde. Il y en a dans le bagage. On récupère une tomate encore. On peut continuer à les lancer sur le percepteur, j'imagine. Merde, pas toi, va-t'en. I already have one. Ok. Lui nous a appris à... Ah, tiens, c'est vrai qu'on a ça. Il nous a appris à voler à pickpocket, en fait. Donc, est-ce qu'on peut par exemple faire sur elle? Non, sur lui? That doesn't... Ok, on va essayer sur un peu tout le monde. Sur lui? Non. Sur eux? Non plus. Et encore une fois aussi, si jamais vous avez jamais joué au jeu, n'hésitez pas à réfléchir avec moi et à proposer des idées. Si vous êtes les bienvenus, je vais aller par là, on va essayer de le faire sur Donny King. Va arriver. Je vais te laisser, je vais continuer ma série du moment avant d'aller me coucher, ça marche, belle fille. Eh bien écoute, bonne nuit à toi, merci beaucoup d'être passé. Sabrina l'apprentie sorcière. That doesn't work. On va pas le faire dessus, ok. Ok, on se casse. La nouvelle aventure de Sabrina. Ok. Cool. Eh ben écoute, bonne nuit. Merci beaucoup d'être passé. Et puis, pas demain vu que tu bosses, mais peut-être, si jamais, un de ces quatre. Alors, on a la place, la rue, on en venait. Putain,
Je vois pas trop où. Ça a rien à voir avec le sitcom des années 90-2000. Ok. J'espère. Ah, tournez là. Tournez là, on va arriver. Ok. En fait, je vais aller à l'autre bout de la rue. Je dis pas de bêtises. Mais non, 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 on va aller par là, toi. Kalidar, c'est l'un des derniers films du réalisateur du Soleil Vert, encore de deuxième connard. Ok. C'est très glauque, ça a une ambiance satanique. Ah ouais! Effectivement, là, pour le coup, du coup, ça a rien à voir. Effectivement. Ok, donc Toy Shop, mais je pense pas que. Je pense pas qu'on ait autre chose à faire. Coucou Serania, bienvenue. T'as essayé de. J'ai dû arrêter à Serania de parler pour la dissuader de spoiler le jeu. Lol. Ok, merci Serania. Fabricant de jeu. On avait de la colle. Ah oui, il y en a de la colle, c'est vrai. Hein? Ah, c'est marrant, regardez. Ah, on a un grand rincevent, petit rincevent, grand rincevent, petit rincevent, grand rincevent, petit rincevent. Bon, c'est pas grave. That doesn't work. Special today, sweet pretty pony home abattoir set. Somehow I don't think it'll catch on. Et pas mal, tu devrais regarder un autre des épisodes pour donner des idées. Ok, bah, je ferai peut-être ça, ouais. What an extraordinary. That doesn't. Ah. Looks like a prime paste blanc extraordinaire to me. Good body, but a bit fruity for my taste. Un peu fruité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec de la colle? Je vois rien de cassé. That duck. Ouais, c'est que s'il faut tout essayer sur. On n'a pas fini quoi. Bon, la tomate, a priori, elle servira à rien. Voilà. That duck. Oh, est-ce qu'on peut pas coller le filet à papillon sur le bourdon? That duck. Non. That doesn't work. Ok. That duck. Vous allez l'entendre beaucoup, hein. That doesn't work. Le dégradé de perspective est assez violent alors que c'est pas utile pour cet écran. Ouais. Ah ouais. C'est bizarre. Ok. Là, je voulais revenir ici parce que j'ai l'impression que la dernière fois on est peut-être passé un peu rapidement. And verily shall he bellow forth the 10 sacred names of the forbidden dawn. Try again later. Or earlier. I tell a lie. The 9 sacred names of the forbidden dawn. Ignatius the Troll's all-night pottery shop. Then shall he stride forth, okay. And many shall be the number of his striding. Four across the disc shall he... Ok, là on a le poissonnier, là, allez, ok. Je ne vois pas trop rue, place, le palais. On refait les lieux rapidement et puis après on refera tout à fond. Okay, mais eh? Clear off you, every time you come around you start trouble. Oh, me? Faut que je sauvegarde. Ok, faut le recoser. Look, could you just let me in, please? Clear off. Y a-t-il une taverne additionnelle du coiffeur? Je l'ai déjà vu quelque part. Oh, merci Avia, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça. Y a une blonde chez le psy. Well, I'll just... Y a une taverne, y a une auberge, mais on peut pas rentrer. On peut pas rentrer dans l'auberge. No, seems to be locked. Donc ce serait peut-être chez le psy. Parce qu'il est le psy...
Oh là là, Tchouma! Georgia! Merci beaucoup, Tchouma! Qui, même s'il regarde des séries et qu'il vient plus, il nous oublie pas! Merci, merci, Tchouma. 3 mois de sub. Tu as, si je ne m'abuse, tu as une barbe un petit peu plus longue maintenant. Merci beaucoup, beaucoup pour le resub. Alors. Je crois que c'était là. Là. C'est elle? Shut up, sit down, no talking. If you're mad, you don't want to run around infecting everybody else. C'est probablement elle, en fait. T'as raison. Are you him? Pardon? What? No, you couldn't be. He would know who he was. I suppose I should come to expect this kind of thing in my life. So who are you then? The mighty wizard, Rincewind. Oh, is that all? Well, I'm sure he wasn't a wizard. I think I remember him smelling a fish. Look, who do you want to meet? Him, my beloved, my long-lost paramour. He's been missing ever since I was a child. God, give me patience. Well, it's all very traumatic, I think. They said I really ought to find myself a trauma, then go and see the psychiatrist. Everybody's doing it. I can imagine. So you're here for a bad memory, then? No, why do you ask? Well, that's a dancer's cap you're wearing, isn't it? You look like a pencil. This is a wizard's hat. A garment of great austerity and history. Oh, it must be ever so good for storing things. I don't want to talk about it. The uniform is not negotiable. Fine. What's this about a beloved of yours? True love, is it? I last saw my true love in the Ramtop Mountains. It was a sign, you see. A sign that my life was to be spent in alpine pursuits. That's why I became a milkmaid. Really? How fascinating. I learned to yodel, too. Oh, dear. Tu as le nounours aussi, Tuma. Nouvelle emote. Mais c'est le troll potier. Avec la boutique qui est fermée dans la rue. Ok, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il sentait le poisson. Are you him? Putain, comment est-ce qu'on pourrait faire? Je vois pas. C'est à qui la voix du Monty Python me fait penser? Peter Dinklage? Ils ont les mêmes intonations. Ah, c'est les Britanniques tous les deux. Mais la voix de Eric Idle est un peu plus aiguë quand même. Je pense. Engrais vert. L'engrais, c'est peut-être pour le mec qui fait pousser des plantes. Shut up, sit down if you're mad. Je sais pas. Là, on pourrait au final tout filer et tout essayer sur tout en fait. Elle veut pas, on n'a pas accès à un dialogue en fait. Shut up if you're mad. Oh ta gueule, putain, elle est lourde. Ah, pickpocket. Faut que j'y pense à ce truc là. Are you him? C'est chiant parce que quand on veut utiliser et tester un objet sur une personne, il faut double-cliquer. Du coup, ça veut dire qu'on discute. This seems like a good... Donc c'est un peu chiant, mais non, pas là. Putain, il a l'air vénère, hein, ce moment. Cependant, Peter Dinklage est américain, et c'était le seul avec moi à pas être britannique en saison 1. On parle bien de Tyrion Lannister, non? C'est ça, hein? Je confonds. Parce que il a un accent britannique, non? J'hallucine. Ok. Il est américain? Ok. Des culottes bouffantes. Are you him? What's this about? C'est lourdingue, c'est mal fait.
Il a 100% accent britannique, mais n'est pas américain. Mais est américain, ok. Ok. Pickpocket sur le coiffeur. C'est ça. On va essayer ça, ouais. C'est chaud, ouais. Il a un super accent britannique, c'est clair. Alors attendez, ça aussi. Ça a l'air de rien faire. Ok. Dragon detector, sir. What? Can I alone on but tell you what? What? Can I on very well tell you what? Oh no, is it guaranteed? It's never been not there. No. Well, or we tell you what? Money personal. Not to. Ok. Je pense que quand il y a un nouveau choix, ça va faire un nouvel objet, un nouveau what? Symbole ici. Donc on va pas se faire chier, on va pas. Voilà. Ok. T'as dit chez le coiffeur. Ouais. Il y a une piste là, effectivement, avec la nanette et le coiffeur. Oh, les culottes, c'est pas pour eux? T'es où, coffre? Merci. Non, ils veulent pas. Hein. Ok. La souris, t'as fait des choses avec car le curseur a changé quand tu l'as survolé, pas sûr. Ah bon? J'ai essayé? Mais j'ai pas vu tout à l'heure. Non. Non, non. J'aimerais bien qu'il y ait un trou de souris, quelque chose, mais. Étalage tomate, là y'a rien. Quand elle se pointe, y'a rien. Non. Non, je dans mes souvenirs, il y a un truc avec cette souris, mais c'était peut-être c'est la vidéo justement où on la voit avec la tomate en fait. Non, t'inquiète, y a pas de souci. Il faut dire hein, parce que il est pas facile ce jeu. Hein. Les puzzles d'inventaire sont assez capillotractés, donc c'est pour ça que je pense que j'étais gamin, j'ai pas dû le finir ou alors j'ai utilisé une soluce, je pense. On a dit le coiffeur. Oui, le nounours aussi, plein d'emotes, GG. Merci. Bah, c'est grâce à toi aussi. GG à toi aussi, Tuma. Alors. Pickpocket. Sur le coiffeur. That doesn't work. That doesn't. Non. Non, il faut peut-être le distraire avant. Hello there. Mm-hmm. I suppose. No, nothing, me. C'est très clairement elle. Hein. C'est très clairement elle. That doesn't. Non. Bientôt un autre. Yeah! Merci, dame. On n'est pas sorti de la merde avec ce jeu. Franchement, pas sorti de la merde. Merde, il faut juste un clic pour sortir. Ok, lui, est-ce qu'il a d'autres. Alms, alms for the poor. Il a rien d'autre. Right, you are then. Oh, ah non, je croyais qu'il y avait un truc en haut. Je regarde plus haut. Ok, on va revenir. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Hein. Il faut regarder, faut se balader, faut regarder. Il n'y a pas à chier. Il dit qu'il sentait le poisson. Et c'est quel poissonnier qui sent le poisson? Oh! Caviar! That doesn't work. Look at the size of it. Must be clutching sturgeon row. Ouais, c'est ça. Il y a un endroit où il y a du poisson. Elle a dit qu'elle avait bien aimé le poisson. Mais ouais. Is this fish fresh? 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 One of them just made a pass at my wife, sir. On va lui reparler. Good heavens, did it really? I don't mind, sir. I think fish are quite attractive, don't you? I love my wife, but oh, you octopus.
You're a silly man, and I don't think I shall speak with you. What's that under your arm? What's what? That fish, that enormous swordfish. It's a swordfish, sir. I can see that. Nothing wrong with your eyesight, is there, sir? Wizards are fine people, no matter what everyone else says. Don't be impertinent. You're skating on thin ice. Skates are over there, sir. All in a row. In a row? No, all in a row, as in fish eggs. It's delicious. You should try some caviar. Don't get horribly burned to death by any monsters or anything. Il a dit je devrais essayer le caviar. That doesn't... Mais il peut pas le prendre. On va essayer de lui faire les poches à lui. That doesn't... Non. Je vais revenir chez le barbier. Franchement, ce que tu... Ça... J'ai un truc qu'on a qui me gêne. On devrait pouvoir faire quelque chose là. On n'a rien récupéré chez lui encore. Et le bigoudi. Leave that hair. Is that a curler in your hair? Impudent wretch, of course it is. Just asking. So it's definitely a roller then. What? In your hair. A hair roller. Well, of course it is. If it wasn't a roller, then why would it be there? You wouldn't. Wouldn't what? You wouldn't say it's a bit. A bit, unusual at all? Good heavens, no. Right, you are then. Oh, so you're having your hair set in a traditional style? Traditional? With rollers and curls. Yeah, oh, yes, it should look very quaint. Quaint? Well, a busy woman like yourself can't always be expected to keep up with the new trends. What? Don't be absurd. Barber, I shall have my hair set straight. A very wise choice, madam. Oh, du coup, elle va retirer le bigoudi? Il l'a foutu dans sa poche. Ah! I have absolutely no desire to talk to that person at this time. Ok, du coup on peut peut-être lui. Du coup on peut peut-être lui chourer ça. Non. That doesn't work. Ok, faut peut-être le distraire alors, encore. Ok. Hello there. Oh, hello. I suppose it's quite as... Oh, no silken lock, nothing made. Ok. Ouais. Tac. That doesn't work. Ah, poche! Poche! Putain, j'avais pas vu poche. Faut faire sur la poche directement. Putain. Ah, y a poche maintenant, ouais. J'ai vu ça au dernier moment. Ok, on a un bigoudi. À quoi ça va servir? J'en sais rien. Merci. Là, je vais aller écouter du Game of Thrones, c'est les mêmes. Maintenant, je pourrais plus m'enlever l'image de Rincewind en regardant Game of Thrones. C'est foutu. Qu'est-ce qu'on fait avec un bigoudi? Bon, en tout cas, on a fait un truc ici maintenant. Ça me gêne plus. On peut se barrer. Ce qui me gênait, c'est que depuis tout à l'heure, on fait quelque chose dans chaque... On récupère un objet dans chaque lieu. Et là, c'était pas le cas. C'est qu'avec le mendiant, qu'est-ce qu'il faut faire avec le mendiant? Faut peut-être lui filer le bigoudi. Il a l'air de briller. Alms. Ah putain, j'y ai cru. For the poor. J'y ai cru. Right, you are then. Mais non. Ok. Peut-être qu'il faut le filer à la nénette, justement, à sa copine dans le... Pour le... Ah, peut-être qu'il faut le filer à la nénette, maintenant. Oh ! Ferme la porte ! Ok. Ici, on a récupéré les trucs aussi, hein. On a récupéré la culotte. Ok. Elle est tellement insupportable, la musique ici, je veux pas rester. Caviar et anguille. Caviar et anguille. L'anguille va peut-être manger le verre. Si elle est encore électrique, elle est peut-être vivante. That doesn't work. On va essayer. La grenouille. That just
Qu'est-ce qu'on pourrait électrocuter en fait? On peut charger le bigoudi d'électricité. Ok, on va essayer. Ah, on peut faire une brochette avec l'espadon et les tomates. Non. Bizarrement, ça ne marche pas. On pourrait. Non, je sais pas. On peut. Peut-être que le mec il veut une grenouille. Non, ok. Peut-être qu'on pourrait se barrer. Par là. Non, pas par là. Voilà. Non, pas par là. Voilà. On peut combiner des objets. J'ai pas l'impression. Franchement, j'ai pas l'impression. Lui, il m'agace. Donc, faudrait qu'on résolve le problème du troll aussi. Et comme ça, sa boutique serait ouverte, je pense. Connerie comme ça. Le verre sur la tomate. Ouais, okay, on va essayer. Hein. Mais on prend le verre, on le met sur la tomate. Non, tu vois, ça remet le truc dans l'inventaire, en fait. Donc non, on peut pas combiner les objets dans l'inventaire. Ok. Pas aller. Ah oui, c'est vrai qu'on peut plus rentrer. I don't think you should pay him any attention. That's what? Well... Ouais, c'est bon, on peut rentrer maintenant. Ok. Bah quoi, y'a rien. Ok, alors... Stan et Hardy. Ou Laurel et Hardy. On a un paysan, on a une sorcière, on a un voleur. Est-ce qu'on peut faire du pickpocket sur les gens? Faudrait trouver une poche, par contre. Idiot. That doesn't... Voilà... Livre de recettes de crème. Il nous faut ça, hein. Franchement, s'il y a un objet qui est... Merde. Qui se... Qui apparaît... comme ça... That's my special custard making recipe book, that is, dear. You see, it contains special ingredients that'll make it into a very potent love potion. Just one little sip, and you'll fall in love with the first person that you see. I've got some brewing back home now. It'll work wonders on you. Yikes, I certainly won't be having any in the company I've been keeping lately. Hello, dear. Eek! Tired? Ooh, I give a pretty good foot massage. Now let's remain very, very calm about this, shall we? A quiet dinner, a relaxing evening watching the potions brew. I'm very good at toes, you know. How's about just a little sing-song? Don't suppose you know a wizard's staff has a knob on the end, do you? Mine hasn't, I can assure you. But I'll just rush off and check, just in case. Okay, on peut pas lui... Okay. Wait a minute, you're a thief! What are you doing here? Well, it's about my quota, see? Quota? The amount I'm allowed to steal. It's not enough. The dragon's been destroying housing, so rent just went through the roof. I mean, a 20% increase in theft quotas for the duration of the emergency seems a reasonable thing to ask, doesn't it? Depends if you're in the 20%. One of the remarkable innovations introduced by the patrician was to make the Thieves' Guild responsible for theft. With annual budgets, forward planning, and above all, rigid job protection. Thus, in return for an average level of crime per annum, the thieves themselves saw to it that unauthorized crime was met with the full force of injustice, which was generally a stick with nails in it. Le voleur t'intrigue, ouais. Pareil, j'ai vu le film Stall Neoli, très cool pour les nostalgiques, ça me dit rien du tout. On avait déjà, je sais là où on a chopé le miroir. Le rideau. Est-ce qu'on peut utiliser un truc... Peut-être la grenouille dans la baignoire. Clever, we didn't see whoever's in the bath. Thank Offler for small mercies. Oh! Oh! Ah si, ouais. That doesn't... Okay. Yes! Definitely a hat stand.
Je crois que j'avais oublié qu'on pouvait faire ça, mais... Miroir ici. That doesn't... Ah, the jumbo size. Love those lamp wicks. Eye makeup, rouge, hair cream, all seems a bit dandified if you ask me. Mm-hmm. C'est tout, ok. Pas de pixels qui traînent. Il y a un pixel là. Putain. Moi, c'est le fou qui m'intrigue, l'idiot. Hein. A suspiciously animated jester's staff. Angel! Chucky bite, nasty wizard! Hey! Hello? Bro, it's a visitor, isn't it, Chucky? A visitor, yes it is. Oh, Chucky, Chucky, Chucky! Goblicky here! Mr. Pencil Head says hello! Hello! He said hello to us, Chucky. Oh, Chucky, Chucky, Chucky! Butter the gear! Okay. This seems like a good cue to cease this whole silly conversation. Okay, et lui? Greetings, lowly and scabby peasant! Hello, pointy-hatted one, and less of the scabby, thank you! What's happening? We seek an audience with the patrician, the mighty ruler of Ankh-Morpork. It's about this dragon, you see. He's making the cows dry up and all the curtains fade. What, really? Well, that's what our Agnes says. Anyway, who wants to have their family charboiled by a dragon? Soot's hell to shift. Yes. Well, anyway, that's what old Uncle Agnes says. You can't go fairer than that. Uncle Agnes? Yeah. Yeah, Uncle. So you describe him as a bit of a man, then? I hadn't really thought about it, to tell the truth. Now you come to mention it, I suppose we should have asked. We just married him off to one of those guards outside the gates. Well, that explains something. Mm-hmm. Oh là 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 là. Brett. On retourne à l'université, on n'était pas retourné encore. Est-ce qu'il veut nous dire autre chose, lui? Pas impression. Nice weather. Since classes in wind whistling, rain making and lightning throwing are all scheduled for today, I think that's being a wee bit premature. On a déjà fait ça. Well, okay. That doesn't... What's this then? Prunes, finest quality, extra dark old bowel buster. Yuck. Est-ce qu'on peut échanger ce qu'on a un autre sac? That doesn't... Non. That doesn't... Ok. Je vais affiler, demain je fais de la route, bonne soirée tout le monde. Eh ben bon courage pour la route, alors merci de passer dame. Et bah ouais, bon courage. Et puis ben, je ne te dis pas à demain puisque tu ne seras pas là du coup j'imagine. Des bisous. Et bon courage. On n'avait pas récupéré un truc là? C'est là où on a récupéré l'engrais, non? Là il y a une porte that sans... That doesn't work. Sod it! Another one of those doors without handles! Tradesman's entrance, I presume. I wonder what we traded him for. Porte sans poignée. Oh, j'avais pas vu ça. Illumination is a fine thing. I wish I could see in. Tchao, dame. Merci. Bye bye. Hop. On passe par ici. Ok. Je vais rentrer. Il nous faudrait une échelle, peut-être, pour atteindre la fenêtre. Elle est là déjà. Ah oui, là on voit rien. On a toujours rien pour allumer, pour illuminer. Hein. Ouais. Ok. Enfin, une source de lumière. Hein. That doesn't. À la bibliothèque, on avait récupéré le bouquin. Je doute qu'il y ait autre chose. Hein. Quand même parler au bibliothécaire. Ah! Hey there, old mollusk! What can you tell me about L-Space? Hmm. Yeah. Yeah, I see, yeah. Yeah. Yes.
yes, I see. Hmm. So what you're saying is that L space is a means of time travel available only to librarians, which is essentially too complex a subject to convey with hand gestures and grunts. Yes, I thought so. But look, if I did have to go into L space, say, to go back to another time, you could help me? Hmm. L space is the distortion of space caused by big collections of books. Just picture some of those old second-hand bookshops, which look like they were designed by Isha on a bad day. They invariably have more staircases than stories, and rows of shelves that end in little doors, which are surely too small for humans to enter. This distortion of space has a similar inevitable effect on time. Okay. J'avais oublié, mais apparemment j'aurais mon nom dans les crédits de Psychonautes 2. Ah, cool, pourquoi? Alors, est-ce que... Le gars louche, là. Il vendait quoi? Des sabliers, je crois, non? Psst. Hey, buddy. Who, me? Have you ever thought about the advantages of owning land on the Fremen-Wanger Peninsula? Isn't that all on... That's just... Think of it! Okay. Right! Est-ce qu'on peut lui faire un pickpocket sur lui? Galouche. That d- ok. Parce que j'ai donné les dollars. Ah. J'ai pas... Merde, c'est sûr. J'ai pas joué à Psychonautes 1, voilà. Ok. That doesn't work. Oh dear. There's little pamphlets living in it. Ok. Est-ce qu'on a toujours l'autre choix du L-Space pour lui? Quand on lui parle, ou est-ce que c'est fini? On a toujours. This seems. Ok. Sur la page de finance. Ok. Ok, on va remonter. Non, on va descendre. Dans la cuisine. Oh, il faut peut-être mettre un verre dans une bouffe quelconque pour faire peur au cuistot, pour le faire chier. Ah, il faut. Oh, il y a les bananes! Mon dieu, on a encore... Mais on n'avait pas déjà des bananes? I already have one. On avait déjà utilisé la banane pour filer au libraire. Libraire. Excuse me, but could I ask you some questions? Clear off! And no magic in the kitchen! One more spell goes off in this place and I'm going to complain to the Arch-Chancellor! Ok. Well, I'll catch you later then! Pareil pour Star Maze. Ah, cool. Coucou Foufou, tu es de retour. Eh ben, bienvenue, bon retour. Comment vas-tu? Est-ce qu'on peut... Il faut visiblement faire quelque chose aussi pour... That does... Lance ta crêpe. That does... Non, c'est pas ça. Faire un truc avec la crêpe, mais... Oh, peut-être avec le filet à papier, on peut l'attraper, en fait. Mais... Et on peut pas le mettre sur le bourdon, donc... Ça va, Foufou, carrément. Je joue à un de mes jeux de mon enfance, et en plus, je ne me rappelle plus de rien, donc c'est tant mieux. Hop. Ah! Look, does anyone know why this luggage keeps following me? Ah, that sapient pearwood, that luggage is. There's no getting rid of it, it'll follow you everywhere. Sapient pearwood? They once used it to make containers for grave goods. I suppose someone hoped that you really could take it with you. The chest is in fact the luggage. The luggage is made of sapient pearwood, and once it attaches itself to somebody, it will follow that person everywhere. Just like a little puppy. It is like a runaway suitcase, albeit one with lots of little pink legs. In this game, the luggage is a convenient storage device. Not to mention a convenient homicidal maniac, should one be required. Why is the librarian a monkey? Pourquoi pas? Did you get the number of that donkey cot?
He's not a... one of them. He's an orangutan. But it's the same thing. No, no, no. Your actual orangutan is one of the great apes. An arboreal denizen, if you ever... No, but what's the... Okay, il faut pas l'appeler singe. In general... But... No. What? All thousand and one. Right, you're on. Est-ce que eux, ils ont d'autres choix? Non. What? Lui. Non. Right. Lui. Hey. I'm not. It. Okay. Non. This seems. Et lui. That doesn't. You know, I've always wanted. Et on peut pas utiliser le bourdon. On a déjà échangé son bourdon. That duck. On peut utiliser le bourdon pour faire ça. C'est pas possible. Ok. Tiens, s'il pense qu'on est une nénette. That duck. On va faire passer pour une vraie nana. Non, ça marche pas. Est-ce que le pantalon. Les culottes bouffantes seraient à l'un d'entre eux? Ou plairaient à l'un d'entre eux? That doesn't. Est-ce qu'il faut utiliser le verre sur la bouffe pour les faire arrêter de manger? Nourriture. That doesn't. Non. Est-ce qu'on peut les pickpocketifier tous? That duck. Non plus. Ah là 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 là. Tiens, on a combien on peut mettre combien d'objets dans notre inventaire, je me demande. On peut en mettre que 4. La bouffe. Hein, que 3, c'est marrant. Ok. Bon. Je sais pas. Ok, on va monter. On va aller voir l'archi-magicien. Je sais plus qui. Cet étage-là, non? L'archi-chancelier. Golden thingamies. It must be good to be the Arch-Chancellor. Golden thingies. Tu vas dodo le micode, ça marche. Des bisous, de toute façon, nous on continue pendant encore une demi-heure. Après, quick, moi aussi je coupe. Quick. Ooh, sparklies. Ah, now, with a desk like that, a man can really defer some serious questions. As far as leaders go, the only reason I'd follow him into battle is out of curiosity. There's work to be done. No time for idle chatter. Well, sorry. Je suis responsable de ce que je devais dire. Ok, bon, y'a rien là. Monte. Monte, voilà. Là, il n'y a rien. Faut que je monte encore. Là, on retourne dans notre chambre, a priori. Mais je ne vois pas ce qu'il pourrait y avoir de plus. On peut pas prendre le diplôme. That doesn't. On peut pas là. That doesn't. Juste pour yes. Le plaisir. A mysterious shape. A sinister shape. A shape fraught with... Shapeness. It must be a plot element. Otherwise, there'd be a better label. Okay. Mais non. Y'a un truc là? Non. Aha! See? Okay. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'on pourrait faire. Est-ce que sur la carte il y a des endroits qu'on n'a pas vu encore?
On a refait tout le... toute l'université. En tout cas, on voit que... quand il y a un nouveau dialogue, il y a des icônes qui apparaissent en plus dans les dialogues. Donc ça, c'est bon à savoir. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de refaire tous les dialogues. Mon Dieu, que ça aurait été affreux, affreux. Actually, it's been a while since I had a bath. On sort. Non mais... voilà. Pourquoi je l'ai fermé, nom de Dieu. Alors, l'auberge. C'est toujours pas quoi faire. Il y a juste l'auberge. Il y a juste une porte qui est fermée et on peut pas l'ouvrir. Les portes de la ville. Il y a un mec qui pionce. Faudrait le réveiller potentiellement. La rue. C'est un peu parce que les bruits du dragon. Là, oui, il y a plein d'endroits. J'y reviens. L'université. Alors, on va essayer de voir ce qui manque et ce qu'il faut faire dans chaque lieu. L'université, il faut filer. C'est la quête. Enfin, la mission principale. Il faut filer les trois objets qu'on doit trouver, le souffle du dragon, le bâton et je sais plus trop quoi. Ah, on peut peut-être lui filer le bâton en fait. J'y retourne. Rappelez-vous, la société des Flat Earthers a des membres tout autour du globe. LOL. Oh, joli, Serania. Très, très, très joli. J'adore. GG, la blague. Ok. Donc alors, je me demande si on peut pas lui filer le bâton en fait. C'est un des objets qu'il veut. De toute façon, on a déjà essayé. Yes! That's good, but off with you. There's still more work to be done. Ok, tu me files rien d'autre? Bon putain. Au moins, on sait que ça servira pas à autre chose. Voilà. Tu peux prendre ce que mange le gars à l'entrée de l'université? Non. Ah mon Dieu, des candy canes, des bits, des bros. Merci beaucoup Tuma pour les bits, 50 bits qui font bien plaisir. Tu peux prendre ce que non les, ils mangent des prunes ou des pruneaux. Les prunes, ça permet d'aller aux toilettes, c'est ça ou ça empêche d'aller aux toilettes, je sais plus. Mais non, on peut pas prendre. That doesn't work. Ah, par contre, je peux essayer avec le pickpocket. Non. Jar Jar. Oh non, putain, j'ai encore fermé la porte. Tu veux dire Jar Jar? Ça envoie WC, on est d'accord. Donc ça nous permettrait de faire partir quelqu'un pour chourer quelque chose. Mais là, je vois pas... je vois pas vraiment... Ah! Si on met le verre dedans, il va peut-être dire « Ah, ils sont moisis, je l'en veux plus. » Non. Bon, fallait essayer. Où il va ce... Ah putain... C'est pas grave. Je me casse. Donc ici, il faut ramener les objets. Et il y a aussi les... il y a une porte fermée sans poignée. Il y a un mec avec des prunes. Il faut qu'on prenne les prunes. Et il y a une crêpe que le cuistot envoie en l'air. Il faudrait peut-être une baguette pour pouvoir faire un filet à papillon pour ramasser le... pour choper la crêpe. Ça me paraît pas mal comme description. Le palais. Palais, je vois pas ce qu'on aurait à faire de plus. Si, il y a le livre de recettes de crème de la sorcière qu'il faut récupérer. Mais je vois pas trop comment faire pour récupérer. D'ailleurs, un moyen de récupérer les pruneaux, du coup. Ouais, mais vraiment, je vois pas comment. Pour l'instant. La place. On a quoi sur la place? La place, il y a les petits vieux. Je sais pas ce qu'ils veulent. On a aussi une espèce de machine chelou, là. Qui recycle, ok.
un mec qui balance les déchets dedans. On va y aller, en fait. Ça va être plus simple. C'est bien, il me... Okay. Donc, eux, je pense pas qu'il y ait autre chose à faire. Ils ont pas plus de dialogue. Là, on a le psy. Donc, il y a le troll, par exemple. Il faudrait... faudrait réussir à le faire partir. Lui, je sais, il a des faux détecteurs de dragons. Alors ici, ceinture en caoutchouc. Il faudrait peut-être récupérer la ceinture en caoutchouc. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Oh, ils veulent pas des vers, les poulets. Ça mange des vers. That doesn't. Le son. That doesn't. An effluent reef. Don't get horrible. That doesn't. Il a un seau, je peux pas lui prendre. Des mouches. That doesn't. Some of these flies have got little scarves and flying helmets. Ah là là, j'adore. Poultry power. That doesn't. Rush. That doesn't. Nope, I can't shift it. Filet sur mouche. Ouais, mais le filet, il a pas de... J'y pensais aussi, mais... Déjà, les mouches passent pas en travers, mais... That doesn't... Il faudrait un bâton, tu vois, pour pouvoir... Donc, je vois pas. Jar Jar comme Jar Jar, à la Jar Rabbit comme Jar Jar Binks. Oh, Jar Jar Beats même. On devrait dire Jar Jar Beats du coup. Lui, il a rien d'autre. Lui. Hey, sir. Pardon? That's this man. Too still. Eh? What? What are you doing? Begging with. I ask next thing. This is. Let me. They cut. Has someone collared your. Watch it. Must be what. Very. Other... Forget what. Face. I must be. Je pense que la tomate servira à rien. Juste à part le faire chier, donc on va faire ça. C'est rigolo. Voilà, mais peut-être qu'on peut choper. Attendez. Peut-être qu'on peut en choper plein. Peut-être qu'on peut le faire chier à fond. Peut-être qu'au bout d'un moment il va faire. J'en ai marre, tiens, voilà la fin du jeu. Merde. Moi j'ai pas l'impression que ça change grand chose. On va lui reparler. It's a fraud. Begging what this is. Don't watch it. Must be what like very other per. Forget what. It's a fraud. Oh merde! Don't watch. Must be what very. Forget. Face it. I must. Okay. What's this thing? Solicit. That duck. Ok, on peut pas ouvrir le carcan. Là, y a rien. Alchemists Anonymous. Get rid of that banging habit. Est-ce qu'on peut aller? On peut pas avancer? On peut pas aller là-bas? On peut aller là? Non. Ok, donc chaîné, fois pas. Je ne vois pas du tout. On se bat, on va retourner dans la rue. Oh, de Dieu! Alors. Oh,
Rien de plus. Ah, y'en a même. Est-ce qu'on peut lui filer quelque chose? Ça sert à rien, de toute façon, tout ce qu'on lui file, il va nous demander des thunes, de toute façon. Ça, on peut pas y aller. Le barbier, on va pas y retourner, on a réussi à faire un truc là. Poissonnier. Est-ce qu'on peut lui voler un truc? Est-ce qu'on peut... On peut pas lui voler son espace? On a toujours le caviar. Et l'anguille. Est-ce qu'on peut mettre le verre dans le caviar? That doesn't. Ok. On peut se servir des culottes comme ça. That doesn't. That doesn't. Putain, et à quoi servirait l'anguille aussi? Voilà, c'est ouf. C'est compliqué. Well, if times ever get hard, at least he can masquerade as one of the stock. Oh putain, c'est nul. Ah là là. Quel jeu à poisson. Qu'est-ce que tu sais? That doesn't... Putain, là, il y a ça. Please let this not be where he normally keeps his stock. Mets le bigoudi sur le caviar pour le donner à la fille. Ah! J'aime bien l'idée. Merde, je vais sortir. Pour que ça sente le poisson, en fait. Carrément. That doesn't work. Ah, j'aimais bien l'idée. Mais ça marche pas. J'aimais bien l'idée. À quoi il sert le LAN aussi, putain? C'est ouf. Et les toilettes? No, I'm not gonna look into there. There are some things best left unknown. Peut-être que comme dans Day of the Tentacle, il faut rentrer dans les toilettes pour pouvoir voyager dans le temps. That doesn't... What? No, I'm... Toilet. Purpose built? What's the world coming to? Actually, I don't know if it's a good idea. I'm in a naked flame around this place. You mean someone actually airs their laundry here? That duck. I don't care what the user manual says, I'm not doing it. J'adore. Bah merde. Sors. Ok. Par là. Et là c'est on lui cause. Hello. Go away. I am a monk of the Temple of Offla. Temple of Offla? Offla. I am guardian of the Sacred Eye, Lord High Vicar of the other not so sacred eye, and grand trilobite of the Cenopod. You must be taller than you look. Silence! Be gone or else feel the wrath of the mighty Offla and the toe-biting knights of the Holy Emasculation! What? Hello! Go off, you big. No. Hello! Nah. Temple of Offla. Okay. Try again later, or earlier. And verily shall he bellow forth the 10 sacred names of the forbidden door. Quel il est lourd, hein, il est. Greetings, shopkeeper! Good day, sir! Can I interest you in our toys? There's today's special,
an amusing line of bells and whistles. Or there's Violent Bob, the doll with a face you can rip clean off. Eh? It's very therapeutic. I'm sure. The sort of thing you can share with your brothers. Brothers of evil. Walking arm in arm across the rooftops of the world. Are you all right? Pardon? Oh, yes. Never felt better. So, can I help you at all, sir? Anything special catch your eye? Oh, just browsing. Browsing? Yes. Not plotting? Definitely not. Not secretly planning the overthrow of the patrician and the total dominance of the city? No, not at all. Oh, damn. Right you are, sir. Browse away. Mm-hmm. Non, je vais pas sortir de suite. On a loupé un truc, c'est évident. Enfin, plusieurs même. Oh, un chat! Ouais. Ok. Oh, une porte. Quelqu'un. Chier. Merde. Bon, c'est rien. C'est rien, hein. Chat, poisson, chat. Oh là là. Y'a un gars à la fenêtre. À la fenêtre. T'es sûr? Attends, on va y revenir. Un gars là. Il y a un gars à la porte là. Le chat, on peut pas le choper quoi. Il y a un gars qui ouvre la porte. En bas à gauche. Ah oui. Ah mais on peut rien faire dessus. Non, on va rien faire dessus. Juste le truc qu'on voit, qui est nommé, c'est le chat. Pousse. Ok. Vu qu'on peut rien faire, j'imagine qu'on peut rien faire. J'imagine qu'on peut rien faire. Cette allée me fait chier parce que j'ai un souvenir de. Il y a un truc qu'il faut faire ici, assez tôt. Mais ça m'énerve parce que je vois pas là. That doesn't. Faudrait du poisson pour choper le chat, peut-être. Le filet a servi à rien pour l'instant. Actually, I don't know if it's a good idea having a naked flame around this place. Le fil sur le tendage. That doesn't. That doesn't. That doesn't. On peut tout essayer sur tout, hein, ici, en fait. Sauf sur la porte, quoi. I don't care what they use. Nope. That doesn't. That doesn't. Bon, on en est. That doesn't. That. 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 I don't care. I don't. That. 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 That.
La culotte, on l'a prise de là, en fait, la culotte. On l'a prise de là. Photo. I don't care. Je... That does... That... That... Alors, on l'a pas maintenant. La grenouille, tiens, va nous chercher. I don't... Fait. That doesn't... Le manche rejoint le canapé en fufu. Comment ça, that le manche... Doesn't work. That doesn't work. T'as un problème au... à un bras, Kohima, bienvenue, d'ailleurs. Enfin... Tu sais que je te vois... I don't care what the user manual says, I'm not doing it. That doesn't... Ok. That doesn't... That doesn't... I don't... T'as perdu ta main aussi d'un coup. That doesn't... Hein. That doesn't... Faut pas parler de ça, ça parle pas des choses qui fâchent. Est-ce que tu t'es fait avoir aussi par le jeu qui nous a indiqué, qui nous a donné la mauvaise... qui nous a donné la mauvaise... comment, le mauvais indice? Ou pas, Kohima, du coup? Parce que, pour la petite histoire, hein, c'est juste ça, en fait. I don't care. Bon, bah non, on a tout fait. Hein. On a juste pas fait la banane, mais bon. I don't... That... Par acquis de conscience. That... Voilà, on a tout fait. Je me souviens d'être énervé par avoir échoué... J'ai pas perdu ma mère, moi, et j'ai pas vu ma sœur en petite tenue. Est-ce qu'il y a un petit truc à choper ici? Bon. Ah, mais je suis con, on a un truc. J'ai oublié le miroir. Hein. That doesn't. That doesn't. That doesn't. I don't care. That. Et ça. I don't care what the you. Il y avait un truc qui était mal expliqué, je sais plus. Bah oui, pour la lune, c'est un dernier. La lune, il explique que le premier quartier de la lune, c'est à droite, alors qu'en fait c'était à gauche. Donc en fait, c'est on s'est planté juste là-dessus. Là. That doesn't. Donc en fait, si on savait exactement à quoi correspondent les graffitis... les graffitis. Si on savait à quoi correspondent les... Comme Ked, il y a Ked qui était là, qui nous a expliqué que lui, il connaissait la position de la Lune, enfin, par rapport au Soleil, et que, eh ben, il a vu qu'en fait, le jeu se trompait. Si on s'était basé sur les connaissances... De ce truc-là, on aurait trouvé. Mais en se basant sur les connaissances que le jeu nous donne, eh ben on se plante. Donc on est obligé de se tromper, en fait. Et je pense que c'est juste un problème de traduction. Donc c'est logique qu'au final, les Français se plantent. Sauf ceux qui connaissent exactement les positions de la Lune. Voilà. C'est pour ça que ça m'a énervé. C'est pas parce que j'ai foiré. Tu vois, j'aurais foiré parce que j'ai été mauvais ou on avait été mauvais. J'aurais fait, ok, bah c'est comme ça, voilà, c'est pas la première fois qu'on foire des choses dans un jeu vidéo, et puis c'est tout. Mais là, c'est parce que le jeu se plantait, en fait. C'est ça qui m'énerve. C'est ça qui m'énerve. Et puis, voilà. Bref. C'est quoi les graffitis? Bah, ça dit ça. That doesn't... Pour passer un bon moment, mangez bien, buvez joyeusement, et trouvez-vous une occupation sympa et gratifiante par une belle journée ensoleillée. Ça arrive de pas trouver la solution. Bah oui! Mais en l'occurrence, là, Kohima, encore une fois, le jeu se trompe. Le jeu, voilà, nous induit en erreur. Donc, c'est pas la faute du joueur. Voilà. C'est ça qui est énervant. C'est pas comme si on se trompait. Puisqu'en final, on s'est pas trompé. Bon... Eh ben ouais, je vois pas. Je vois pas. On tourne en carré depuis le début. Oh, il y avait un truc.
and verily shall he bellow forth the 10 sacred names of the Forbidden Dawn. I tell a lie. Oh, the Joel. 9 sacred names of... Il y avait un truc là. Là, là. Il y a un Jean. Ok. Il y a un Jean qui sait rien. Tu as fait celle qui était difficile. Je sais pas, mais... non, je sais pas de... Je sais pas de quoi tu parles. Non, je vais rester là. Cette rue m'intrigue et je pense qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait ici. Yes, and a sort of... Avec les symboles. Bah, là où tu perds le bras, du coup. Ou les dates. Non, après. Ah oui, oui, oui. Il y a eu, d'ailleurs, il y a un truc qui m'a agacé. Du coup, j'ai laissé... moi j'ai pas trouvé et j'ai pas cherché longtemps puis après j'ai laissé le chat de trouver par eux-mêmes. Voilà. Donc non moi j'ai pas trouvé mais le chat a trouvé. Putain. Il a déblaqué les gardes. Ouais, c'est ce que Pomme nous a expliqué. Bon, je vois pas ce qui nous manque ici. La place, ok. Les portes de la ville, ok. Ce que je me disais, c'est qu'il y a peut-être un autre endroit. I need a ver. Ok. The shade. Ta gueule. Putain, allez, va-t'en. Ok. Non, si j'avais décidé d'y réfléchir. Ah, ben il y a une allée là. Dites donc. Putain. Ok. Ninja. Vache. Ok. Alors, putain, un truc qu'on n'avait pas vu. Je savais qu'il y avait un truc sur la carte. Oh là là, une allée ninja. Fenêtre. That was an explosion. Good grief. What is going on? That doesn't... On peut pas monter? What the fuck? What the fuck? Une pierre téléporteuse. Enfin, une pierre à ressort plutôt. Ok. A git with a broom. Ah, good morning, Jimmy. Il va falloir s'arrêter. For what? For whatever innocent folk like we can find to do up here on the rooftops. Have you ever fallen down? Oh, yes. Or tons of times. Well, if you don't want a repeat performance, try shutting up. The day is coming. When people like you will have to look up to folk like me. Probably easiest from the ground, then. What? Looking up at you, I mean. Probably easiest when done from the ground. Actually, I think I might just get in as little looking up at you right now, in fact. I'll just go down to street level in a quiet, orderly fashion, then, shall I? Okay. Une échelle sur les toits, récupère... Où ça, une échelle? Il y a des échelles là, mais on peut pas les prendre. Cheminée. Je vois pas. Chimneys. Ah, the march of technology is a fine thing.
That doesn't work. Bien vu, Jim, là-haut pour la lampe qui éclaire l'ombre, qui donne du poisson pour le chat qui mange la grenouille qui devient prince pour la fille folle. À gauche, elle est colorée. Il y a un panneau. Assassin training track. Well, I suppose they have to be taught somewhere. That doesn't... Hein? Brosse! Il va nous falloir la brosse à tous les coups. Gold, eh? That doesn't... Est-ce qu'on peut lui faire les poches? On l'a vu pendant la scène du ninja. Putain, j'avais pas vu. That doesn't... Ok. Il faut arrêter maintenant. Je suis dégoûté. On a réussi à se débloquer après avoir tourné une heure. En bas à gauche. Ah, bien vu. Yes, mais si je la prends, je pourrais pas passer de l'autre côté. This neighborhood is really going to the dogs. Il veut pas passer en fait. Let's keep track of that. Ok. Ok. C'est passé Jim là-haut qui... Enfin, genre, on l'aurait vu, je pense, de toute façon, mais bon. J'avais pas vu pendant la scène. Je suis pas le seul à voir que c'est pas pixelisé comme le décor. Non. Non, c'est évident, elle est beaucoup plus colorée, en fait. C'est clair. Good morning. For what? Oh, well, probably. What? Actually, I'll just... Qu'est-ce qu'on pourrait lui filer à lui? Ah, mais on n'a pas le coffre, du coup. Donc ça veut dire que s'il y a des objets à utiliser ici, il faut les prendre sur Rincewind d'avant, en fait. Donc genre, là, on a juste... on peut lui filer des thunes et j'ai... That just... Et j'ai le miroir sur moi. Je vais le remettre dans la... That doesn't... Je devrais le remettre dans le coffre, d'ailleurs. Ok, hop. Tac, ok, on va descendre. Comment on fait pour descendre? Cette clé classique pour voir s'il y a un truc à faire dans les jeux vidéo pixel comme ça. Oui, c'est clair. Des fois, il y a les objets qui se démarquent. C'est fait exprès, justement. Comment je fais pour... Il a dit quoi sur la tour au fond? Je sais pas. J'ai pas regardé, en fait. Dans le ciel à droite du Ravenor, ouais. Ouais, je l'ai pas lu, en fait. Yes, that will be the tower in the town square. I never did like post-dynastic architecture much. Voilà. On peut y aller. Magnifique, on peut y aller. On peut vraiment y aller. Mon Dieu. Ok. Oh, it's got a knob on the end. Oh, ouf. A bit slippery, is it? It's fine, I assure you. Maybe you'd better just spit on your hands. That's gonna make it even slippier, isn't it? It might be worth a try. But then I'll slip and die. Is that really so bad, philosophically speaking? It is from where I stand, yes. Death does have its positive aspects, you know. It's easy to do lying down. Also, have you ever considered the saving on food, rent, and clarity? Are you saying that this is my appointed time to die? Well, since you put it like that, no. But I thought, there he is. And I'm happening to be passing, you know. It's a kind of... outreach policy. If it's all the same, I'd rather wait. Oh, if you insist. I'll see you later. How much later? Don't start reading any long books. Vive la mort, ouais. Ok. Vous savez quoi? C'est rigolo. Donc on va laisser Rincewind ici. Comment
comment est-ce que je sais si... Ah, c'est là, mais ok. On va laisser Rincewind ici pendant la semaine, et puis on récupérera ça la semaine prochaine. Go tester tout l'inventaire sur l'extrémité. Ouais, mais il faut, à mon avis, il faut trouver ce qu'il faut, Jim Lao, parce que vu qu'on n'a pas le coffre, ça veut dire qu'il faut prendre les objets sur nous, et on n'a qu'un seul emplacement. Donc si on veut tester tous les objets, ça veut dire qu'il faut... prendre un objet, le réessayer, revenir, reprendre un objet, le réessayer. Donc faudrait savoir quoi faire dessus, parce que là on a la bourse, on a le pickpocket. Je vois pas ce que ça. Ah mais non, la bourse. Ça fait rien. On a le pickpocket. Ça fait rien évidemment. Et on a un miroir. What? Tu te fous de ma gueule? Sérieusement? Donc, quelle est la chance que j'avais d'avoir le miroir sur moi parmi tous les objets qu'on avait? Ou alors, non, franchement, ça doit être mon inconscient de gamin qui se rappelle de ça. C'est pas possible. J'y crois pas. Je peux pas croire à une coïncidence comme ça. C'est pas possible. Merci, mais en plus, je vois même pas. Enfin bon. Ok. Mais je vais re-sauvegarder du coup. Et je vais même changer de sauvegarde. Je vais l'appeler OMG LOL. Voilà. Dieu. Bah merci. C'est ouf quand même. Ok. J'hallucine. À quoi ça sert? J'en sais rien. On va peut-être éblouir le dragon avec. Bref, si vous avez regardé cette vidéo sur Twitch ou sur YouTube, c'était le Kino avec l'épisode numéro 2 de Discworld. Merci beaucoup et à la prochaine.